Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis désolée, la luminosité est épouvantable. Je ne sais pas si vous, le grain de l'image est bien, mais alors moi c'est quelque chose d'horrible, on se croirait dans un nuage. J'espère que ce sera mieux. En plus, je vais être obligée de filmer debout alors que j'ai un horrible mal de dos, mais parce que assise, vous ne voyez pas. On va faire le test. Pour rigoler, hein? Enfin, c'est pas le but de la vidéo. De rigoler. Voilà. C'est bien ça, non? Ah oui, je ne peux pas approcher le lit de Paris si, et je ne peux pas approcher le meuble vers moi, c'est impossible. Donc voilà, pas mal, hein, moi j'aime bien. Donc je vais mettre debout. Attendez, je vais faire. Je peux plus bouger les amis, c'est horrible. Comme ça, c'est mieux. Vous vous contenterez ça, je peux faire mieux. Dehors, il pleut des cordes. Alors aujourd'hui, je tiens puisque j'ai beau. Enfin, vous allez rien voir. J'ai un espèce de débardeur légèrement avec de la dentelle, vous verrez pas, voilà, en coton tout froissé. Par dessus j'ai une chemise en jean, pas du tout, en lin, qui est kaki très pâle, et j'ai un pantalon, je pourrais pas vous montrer parce que j'ai trop mal de dos, mais un pantalon kaki et des chaussettes parce qu'on se les gèle, et 12 colliers parce que j'aime bien quand ça fait bohème. Bon, on n'est pas là pour faire des clowns, on est là pour faire des produits finis. Ça va être super compliqué. Donc quand je vous présenterai le produit, je m'assierai pour vous le montrer. Hein, d'accord? Sinon, ça va vous? Ouais, moi ça va, j'arrive à me recoiffer comme la coiffeuse a fait. Donc je fais un truc à la one, ok? Et donc du coup, je ne cesse de les toucher. Donc du coup, ils graissent deux fois plus vite. Vous savez les filles, quand on a les cheveux qui ont tendance à graisser, il ne faut pas les toucher. Et moi, je suis incapable de ne pas les toucher. Bon, hier soir nous avons eu du monde. Ah. Bon, enfin, apéro dînatoire, donc j'ai pas eu à faire grand chose à part découper des trucs. Je vous l'avais dit. Voilà, c'est tout. Tout est fait ce matin. Bon, on attend encore un pote à Rémi qui vient. À mon compagnon, c'est mon fils, mon mari, ça va être pareil, vous le savez au bout d'un moment. S'il y a des nouvelles, ils vont rien comprendre. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de nouveaux en ce moment. Je trouve que. On stagne, dans le 500 votre cadeau, vous allez attendre mes amis. Oh oui, Dieu. Oh ben, Dieu, vous allez l'attendre. Ah bah ben, oui. Ah bah ben, oui, non, moi je fais un cadeau à 500, pas avant. Bah ben, oui, mais c'est un joli cadeau. C'est des jolis produits, monsieur, madame. Je vais remonter mes manches parce que c'est une chemise d'homme, bien entendu, pour que je puisse. Enfin, je veux dire, il a fallu prendre une très grande taille en fille, il n'y avait pas. Je l'ai acheté à la longue des morts quand nous partions pour la Corse. Donc il a une valeur sentimentale terrible. Elle a une valeur sentimentale. Et je suis contente parce que The Mouse, Magali, a dit que les trucs un peu militaires revenaient. Donc ça fait un peu militaire, moi je trouve. Voilà, enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Mais comme d'habitude, ça va être tout et n'importe quoi. Vous avez 3 minutes. Je vais en sortir 2 minutes. Non, pas 2, 1. Pour faire de tri. La tri, sympa comme ça en plus dans le noir. Hein. Ah, j'adore, je trouve ça génial. Ça n'a pas duré. Alors, en premier lieu, je jette, ça vous fait rire, c'est pas du tout le pot de beauté, hein, mais bon, un très vieux, de 2016, donc l'année dernière, agenda Covadis, que je n'ai même pas utilisé, parce que j'en avais plusieurs, donc celui-là, je ne l'ai pas utilisé. C'est couillon, je vais le garder en carnet, oui, je sais. Je les garde tous en carnet, de toute façon, même ceux qui sont utilisés, parce que j'ai toujours des pages blanches, donc je vais les garder en carnet. Je vais donc le mettre quelque part. Pour garder derrière ma chaise. Oui, non, parce que la chaise, si je m'assois sur la chaise, je vais être collé au truc. Vous voyez quand ça. Allez, on va essayer pour rigoler. Mais vous imaginez pas dans quel état je mets la chambre quand je fais mes vidéos. C'est plus une catastrophe. Tiens, je m'assois sur l'agenda. Non, je ne peux pas le tirer beaucoup. Donc, il fallait que je mette. Attendez. Comme ça, et attendez, vous je coupe la chaise sans m'asseoir par terre. Pas mieux, hein? Allez, c'est pas mieux. Et si je mets du coussin, ouais, on va mettre 3 heures à installer. C'est super. Je trouve que je fais des vidéos super intéressantes. C'est pas mieux. Je suis épuisée, les filles, rien d'avoir fait ça. Je ne vais plus bouger. Je me relèverai, oui. Donc, après l'agenda, quoi d'autre intéressant? J'ai fini, bon,
Dove original. En pchit. Oh là, la lumière brûlée, les gars. Ouais, je l'adore. Et hier à Casino, il y était, mais c'était à 4 euros. C'est hors de question que je mette 4 euros dans un machin. Donc j'en ai acheté un autre que je vous ai montré. Excusez-moi, la poubelle est loin. Ma poubelle est pleine, donc je prends une deuxième poubelle. Je vais encore faire un bruit super sympathique. Ça me revient pas en peu temps. Là, vous verrez pas, je bois un coup de corché. Voilà, c'est une vidéo. Hop, et en plus, la lumière derrière ma tête, c'est génial. Vous connaissez la vidéo la plus pourrie, la vidéaste, ouais. La plus pourrie qu'à terre, enfin, c'est moi. Là, je regarde. Ça finit avec difficulté. Le shampoing Yves Rocher, réparation Repair, j'ai détesté. Il sent pas bon, enfin il sent rien. Ça c'est pas très grave, mais il a mal les cheveux, j'aime pas. Je jette, je ne rachèterai pas. À la fin, je vous ai dit que j'avais le Head and Shoulders que j'ai tenté ce matin. Nous verrons. Après, il est quasi fini. Bien. Ah, il est quasi fini, il reste un petit peu. C'est ce que j'avais pris pour du shampoing et qui est un après-shampoing purifiant de chez Nature et moi. Nul, j'ai pas aimé du tout. Il n'a rien changé à l'état de mes cheveux, je ne rachèterai pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Rien. Parce que j'ai des... le quatrième peut laver. J'ai des petits tubes qu'il y a dans les de soins, conditionneurs, tout ça, qu'il y a dans les paquets de coloration qu'on achète en grande surface. Moi, je les garde. Donc, j'en ai. Je ne rachèterai donc pas d'après shampoing. Comme ça, j'y vois strictement rien dans mon dos. Hein, rien. J'ai terminé le deuxième flacon de soin toilette intime de chez Roger Cavaillès. Non, je rachèterai pas. Je trouve que ça sert strictement à rien. Non, ça sert à rien. Moi, on m'a toujours dit, mes différents multiples, non, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu deux. Gynéco m'ont toujours dit que ça servait à rien d'utiliser un gel particulier, un soin particulier. Vous vous lavez délicatement avec votre gel douche. Évitez qu'il y ait plein de cochonneries dedans, bien entendu. Sinon, au savon. Voilà. Donc, je ne rachèterai pas. Poubelle. En même temps, je ne sais pas ce que... Oh, à mon grand désespoir, il en reste un tout petit fond. Je l'ai fini ce matin. Bon, là, il était couché. Mais vous voyez. Donc là, bon, il en reste donc... Attendez. Il en reste... Donc, il vient redescendre du bouillon. Bon, enfin bref. Il en reste tellement peu, là vous voyez strictement rien, il en reste tellement peu que la pompe ne le prend pas. Donc, ah oui, quand même, peut-être vous dire, sauf que j'y vois rien. Ce l'Hydragenus de chez L'Oréal, excellent, je l'adore. Rachèterai, oui, pas tout de suite, j'ai encore du Pierrico à finir. Mais parce que le Pierrico est trop épais, hein, trop nourrissant. Peut-être que pour l'hiver ce sera bien. Mais celui-là, bien sûr, je le rachèterai. Si jamais je chope en promo, là, bientôt il y a les promos Leclerc, Auchan, Intermarché, je sais pas quoi, je chopperai. Je l'adore. Il n'en faut pas beaucoup. Et il hydrate de façon magnifique. Même sans... Quand il faisait très chaud, je mettais juste ça. Pas besoin de mettre de... Deux. Sérum. Il se suffit à lui-même. Et j'en mettais matin et soir. Le matin, c'est-à-dire, en ayant mis le soir, le matin, ma peau était parfaitement hydratée. Elle allait douce, comme ça, comme le cul d'un bébé. Je rachèterai, à l'occasion. Enfin, pas tout de suite, puisque j'ai d'autres choses. Là, je tue mon dos. Parce que j'ai d'autres choses, mais oui, il est absolument génial. Je l'adore. Je jette, en revanche, de chez L'Oréal, ce mascara. J'ai détesté, vous savez, les deux embouts, là. Il n'y a rien, c'est horrible. Le fossile superstar avec
Bon, tout le monde le connaît, hein. D'un côté les fibres, non, ça doit être de l'autre côté, bien sûr. Ça doit être le côté 2. D'un côté les fibres, de l'autre côté le mascara. Nul. Moi, ça m'a rien fait. Ça m'a fait mascara, quoi. Donc je ne rafficherai pas, je n'aime pas. Donc, je jette. Alors celui-ci, il en reste un tout petit peu, mais je le mets là parce que quand il sera fini, je pourrai le mettre dans la poubelle, c'est-à-dire dans le jour. Et il m'a fait un temps infini. J'ai adoré le sérum Luminescence de chez Lirac. Sérum lumière correcteur de teint. Il est fabuleux. Parfois, je l'ai mis tout seul aussi. Il est génial. Voilà, mais vous voyez rien. Enfin, ça se voit, Lirac. Il est génial. Regardez son fond, je vais donc l'utiliser. Mais c'était pour vous dire que la prochaine fois, il va aller direct dans la poubelle puisque je vais l'utiliser. C'est clair, ça veut dire, non? Bon, alors maintenant, si vous voyez l'état de mon lit, mes enfants. Parce que tout ce qu'il y a là, normalement, à la place de l'ordinateur, il y a plein de corbeilles. Si, ça, il y en a plein. Donc après, je suis obligée de tout remettre. Moi qui avais si bien rangé. Voilà, je jette forcément ma dernière coloration. Palette Saint-Algue en couleur blond foncé parce que je voulais éclaircir mes cheveux. Il est bien, mais bon, moi ça n'a rien fait sur mes kiffs, que dalle, mais forcément, la coiffeuse m'a dit forcément, sur du foncé, du clair comme ça ne sert à rien. Mais moi je me suis dit, j'ai du pas cher dans mon casino, je le prends, je le tentais, en deux fois, j'en ai eu pour deux fois, ouais. J'ai laissé un flacon, il a gonflé légèrement, mais il n'a pas explosé, tu sais, on vous dit jeter le flacon de préparation. Ouais, je me suis dit quand même, avec la moitié, je vais le jeter, je vais le garder. S'il explose dans la table de bain, ben, il explosera. Ben, il ne s'est rien passé, il a juste gonflé un peu. Bon, il n'a toujours rien fait sur mes cheveux. Bon, là, ils se sont éclaircis un peu au fur et à mesure des lavages. Je préfère. Mais j'ai vu avec ma coiffeuse comment il fallait faire. Je m'assois pour vous dire. C'est-à-dire que. Désolée, mais je ne peux pas faire mieux. C'est nul, hein. Ouais, attendez, je vais faire un truc à la Florence. Je me tue, je vais sauver de nuit. En plus, la boîte est tombée, c'est pas grave. Ouais, encore cette lumière gênante. Oh, celle-là, elle est pas mal de prise de vue. Donc, mais au moins, vous voyez ma tronche. Donc, elle m'a dit deux. Parce que je lui ai dit, je voudrais juste, vous savez, comme deux petites. Je peux pas lever mon bras. Deux petites mèches lumineuses devant. Devant. Elle m'a dit, ah ben, il n'y a pas de problème. Je vous l'ai fait. Je lui ai dit, oui, mais ça coûte cher. Elle me dit, oui. Non, d'abord, elle me dit, avant, il faut. Vous avez des racines, vous voyez des racines, vous? Je ne vois pas de racines. Vous avez quelques racines, donc plus brunes ou plus claires, j'en sais rien. Donc il faut d'abord faire une coloration totale. Elle me dit, vous pouvez tout à fait faire avec les produits de grande surface. Vous prenez du cuivré et le jour où vous le faites, vous m'appelez. On prend rendez-vous très vite dans la semaine et je viens vous faire sur une couleur neuve deux, trois petites mèches. Parce qu'elle me dit, si vous voulez qu'on les fasse, je n'ai pas le temps de voir. Si vous voulez qu'on efface, ça sera ni fait ni à faire. Parce que ça ne fera pas joli. Bon, on m'a suivi. Donc, je vais donc refaire une teinture, une coloration supermarché, cuivrée, si je trouve. Oula, mon ordinateur me glisse des mains. Et puis, elle viendra me faire deux, trois petites mèches. Ça ne me coûtera pas trop cher. Voilà. Tout ça pour vous parler de ce que j'ai. Ah! Hein? On a bientôt fini, heureusement que je n'en peux plus. Celui-ci, c'est le protection solaire de chez Bioderma, Photoderme Bronze, indice 30, que j'avais voulu jeter l'année dernière, enfin début d'année, que j'ai finalement pas jeté en me disant, vu tout ce qui reste, tu vas l'utiliser cet été. Bon, cet été, on n'est pas sorti, on n'a pas bougé. Je n'ai donc pas utilisé, donc ça fait quand même cette fois-ci 2 ans passés, et cette fois-ci je le jette. Surtout que je ne suis pas sûre qu'on parte l'année prochaine au soleil. Non, poubelle. Bah ouais, mais ça me faisait mal au cœur ce truc. Là, je. Ah oui, ça. J'avais deux tubes de gingembre frais, vous savez, pour les jambes. Gel fraîcheur pour les jambes. Soulage les jambes lourdes et fatiguées, diminue la sensation de gonflement des jambes et chevilles. Tonifie
Et procure quoi? Une sensation active de fraîcheur. Donc j'en avais deux petits tubes comme ça, mini tubes. C'était des cadeaux de ma pharmacie d'avant, là où on habitait d'avant. Je les avais donc gardés. Il m'en reste encore la moitié d'un. Ça ne me fait rien. En plus, ça pue, ça colle, je déteste. Rachèterai? Non. Je préfère le truc de vigne. Je préfère avaler plutôt que me tartiner les jambes. Ça fait rien. Je préfère me mettre les jambes dans une bassine d'eau glacée. Oui, là, ça fait circuler le sang. Là, ça, c'est de la... Non, rachèterai, non. Ensuite, est-ce que j'ai des trucs bien quand même à vous montrer? Attendez, mes amis. Oh, il y a un truc qui est collé au fond. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Un vieux top coat encore. De chez Lavana. Bon, qui est tout trop épais, je jette, je rachèterai pas. J'en ai d'autres de toute façon. Moi, les top coats, je ne suis pas du tout. Les top coats, je ne suis pas du tout fidèle. Bon, je prends un top coat qui me plaît. Là, le dernier, c'est un Mavala, qui fait en même temps sèche-vite. Sèche-vite, ouais, il est pas mal. Je vais parler doucement. J'ai tellement mal au dos, je suis tellement stressée. Mon magnifique dos. C'est bientôt fini, de toute façon, j'en veux plus. Ça. Ben tiens, voilà, c'est ce genre de choses que j'utilise en ce moment en après-shampoing. Vous savez, ce qui est dans les. Et c'est très très bien, ben, ça adoucit les cheveux. Vous avez des cheveux comme de la soie. Donc, je dis, j'en ai encore deux, trois. Alors là, c'est des prolongateurs de couleur de cette teinte-là. Comme je l'utilise. Moi, vous savez, quand je peux réduire les frais, je réduis. Ça, c'est sans intérêt, mais quand même. On se lave les dents. Du signal. C'est des fois du signal, des fois autre chose. Donc je rachète du dentifrice. Oui, n'importe lequel. La dernière fois, j'ai acheté par l'eau avec mon copain. Quand je suis allé faire des courses avec mon copain, là. Je suis passé dans un rayon. D'habitude, je fouine. Là, j'ai pas fouiné. Il y avait une promo 3 pour 3 dentifrices. Je ne sais même plus quoi. Une marque, je ne sais plus laquelle. Pour 2,50, les 3, j'ai pris. Et puis voilà, j'en aurais le 3 moi. Et enfin, les produits que m'avait envoyé Nicole. Des masques et des gommages. Alors, c'est les secrets des fées. Vous savez, elle aimait bien. Elle m'a envoyé le gommage anti-âge régénérant. Oui, le gommage, j'aime bien, j'ai bien aimé. Mais alors, ce truc, le masque anti-âge restructurant avec un soupçon de cacao, je le déteste. J'en avais deux, j'en ai fait donc deux, à une semaine d'intervalle, je me dis, on jette pas, on l'utilise. Ah, mais vous le mettez sur la peau, moi je le fais un peu épais parce que c'est un peu quand ça dégouline. Mais alors au bout de... Il faut le garder un peu de temps, hein. 10 minutes je crois. Mais moi mon masque en général je le laisse 20 minutes. Mais là c'est qu'au bout de 10 minutes déjà, vous avez la peau... Je vous fais pas parler. Je vous jure que pour moi pas parler c'est... Seigneur Dieu Marie-Joseph, c'est horrible. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Tellement ça, je ne pouvais pas faire, tellement c'était serré, dur. Ah non, non, alors galère pour enlever, je déteste. Les enfants, j'ai fini et je n'en peux plus. Je suis morte de douleur. Donc, vous savez quoi? Je vais m'asseoir un peu. Et pendant que... Je suis là. Non, c'est trop moche comme ça. Attendez. Je vais mettre la chaise à sa place. Non, mais là, j'en peux plus. Là, j'ai trop de... Je chipougne. Là. Juste, mais ça, je m'en derrière pour finir ma vidéo. Je suis là. Bon, vu ma tronche, de toute façon, aujourd'hui. Pourtant, je me suis tartinée. Non, pas tartinée. Mis de la poudre bronzante sur le visage. Ça ne voit pas beaucoup, vu l'horrible luminosité. Je vais ranger ce que je garde, c'est-à-dire l'agenda en tant que carnet que je vais glisser dans mon sac. Terminé, quel est bon. Normalement, j'en ai le carnet, mais bon. Et puis, remettre mon sérum qui me reste pour ce soir et demain. Sinon, voilà, c'est tout.
Bon, on va aller faire un tour chez le buraliste ce matin, en début d'après-midi, parce que chéri, il a envie de prendre l'air. Bon, il pleut, mais en même temps, c'est vrai que respirer l'air extérieur quand on est resté confiné dans la maison, je vous jure, c'est super. Mais tout d'un coup, ça a fait tourner la tête, moi, je trouve. On dirait qu'on a bu un canon, vous voyez? Ça nous est. Tout d'un coup, l'extérieur, comme ça fait bizarre. Mais bon, il a envie d'aller. Donc, en début d'après-midi, on fait ça. On va à la pharmacie, bah, il manque encore des trucs. On l'engraisse, le pharmacien. Non, je prendrai rien aujourd'hui, j'achèterai rien. Et le buraliste, je ne prendrai pas de livre. Non. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai trop mal au pied. Je vous embrasse, je vous aime. Je vous adore. Pardonnez-moi pour la luminosité. Je vous en prie, ne dites pas, ouais, c'est pourri. Bah, c'est pourri, je suis désolée, pas perdre. Hein. Et dans ce cas, allez voir celles qui sont bien cadrées, vous savez. Les vidéos standards, ça c'est bien. Allez, bisous, à demain, je vous adore. Ouais, je crois que je peux répondre à nouveau aux commentaires. J'ai retrouvé 2-3 commentaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier. YouTube fait un peu n'importe quoi en ce moment. Enfin, tout a changé, la configuration de l'écran a changé et moi ça me perturbe. Monsieur, oui madame. Allez, stop de bavardage. Je vous aime. Salut!